tout le monde, c'est Fox Killer. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une exclusivité sur Battlefield 3 pour un wall breach du porte-avions, j'appelle ça comme ça. Donc vous prenez l'hélicoptère et vous prenez un max de distance entre l'hélico, enfin vous, et le porte-avions. Très important, comme ça vous puissiez bien vous aligner. Ne précipitez pas les choses, excusez-moi, car sinon vous allez vous cracher et vous allez vous faire plusieurs fois. Donc il suffit de prendre un max de vitesse, mais vraiment un minimum de vitesse quand même, prendre beaucoup de vitesse et minimum, voilà, les deux, et vous foncez contre ce mur-là, là qui se trouve devant vous, vous foncez dedans, vous tournez légèrement à droite pour que vous puissiez vous éjecter et rentrer à l'intérieur du porte-avions. Point positif, c'est que vous pouvez tirer à l'intérieur, non, donc par terre, en haut, à droite, à gauche, vous pouvez pas, mais devant vous, vous pouvez, avec un lance-roquette, donc votre Igla par exemple, pour buter tout ce qui est aviation, il n'y a pas de souci. Donc glitch assez sympa, donc voilà. Donc je tenais à faire envoyer ce glitch à la GlitchFR, j'espère qu'ils vont m'accepter, car c'est quand même un exclus, donc j'ai regardé sur internet, il n'y avait rien. Donc j'espère qu'ils vont accepter, n'oubliez pas de liker, commenter, et même de vous abonner sur ce les mecs. Moi je vous dis, ciao.